jour 1, le grand jour, le premier jour. Rose est prête pour le départ, un nouveau départ. Elle part, elle se casse, elle s'enfuit, sort, déménage, s'évade, part en voyage. Un long voyage, sans retour, sans regret, sans adieu. Elle est prête, elle a tout préparé. Sa brosse à cheveux et la chemise en pilou de son grand-père. Son passeport et sa collection de timbres rares. Son ouvre-boîte et les escarpins rouges de son oncle. Mais tout cela n'est peut-être guère intéressant pour nous. Surtout, Rose part découvrir le vaste monde qui n'attend qu'elle pour tourner, bien sûr. Jusqu'où la conduira cette quête? Nul ne le sait. Mais Rose a de grandes ambitions, une grande œuvre à réaliser. Son destin l'attend. Allons-y. Maintenant. À moi le monde. À moi le monde. Ah oui, mais comment? Pour partir en voyage, il faut s'en donner les moyens. De transport? Ah, j'aurais pu faire mieux. Le plus chic, le plus romanesque, c'est le train. Ah, l'Orient Express. Des nuits et des jours et encore des nuits à regarder défiler les paysages mélancoliques dans un ennui élégant. Un train? Un train? Ah oui, c'est ça, il me faut un train. Une gare de départ. Une gare, il faut aller à la gare. Ah oui, mais comment? Allô, frérot, tu voudrais pas m'aider? Et Rose attend. Elle patiente. Elle poirote et attend encore. Pendant ce laps de temps, des millions de trains s'élancent vers l'inconnu. Des milliers de bateaux quittent le port, fendant la vague avec puissance et détermination. Des millions et des milliers de passagers s'envolent à bord d'un avion pour recommencer ailleurs ce qu'ils n'ont pas pu finir ici. Et Rose attend. Mais son heure viendra, son heure va venir, son heure est imminente. Allez, viens, s'arrête, on y va! Vite! Vous doutez que cette histoire commence un jour? Vous pensez qu'elle est sans queue ni tête? Vous vous dites qu'il ne s'y passera jamais rien? Vous pensez qu'elle ne vous emmènera pas tranquillement, comme toutes les histoires connues de vous, vers une fin attendue et prévisible? Une fin comme ça? Ou comme ça? Ou encore comme ça? Non, ça, c'est du déjà vu. Trop démodé, modèle périmé, à effacer. Et puis, pourquoi cette obsession de vouloir connaître la fin? À la fin, il n'y a plus rien à dire, rideau. C'est pas excitant. Rien à voir avec le début. Au début, on frémit d'impatience. On attend, on aiguise son appétit, on a de l'espoir. Tout est possible, tous les possibles et même tous les imprévus. On attend que ça bouge. Qu'il y ait du grabuge, du suspense, de l'action. Alors qu'à la fin,
Tout est fini, bouclé, borné, limité, délimité. Donc finalement, le plus important, c'est l'espoir du début. Et puis, c'est l'action, c'est nos actes. Sans oublier le destin, les aléas du destin, les hasards du destin. Alors pourquoi s'intéresser à la fin ? Ce mot « fin », s'il existe, ne devrait s'écrire qu'au pluriel. Non pas « la fin », mais « des fins », une infinie probabilité de fin. Et à chaque fois un nouveau cycle, de nouvelles combinaisons possibles pour écrire notre liberté d'humain. Ainsi, cher public, l'histoire de Rose et de son voyage n'a pas de fin. À vous d'échafauder les hypothèses les plus raisonnables ou les plus folles, les plus pessimistes ou les plus optimistes, les plus tendres ou les plus cruelles, sans que jamais, sur cet écran, ne s'écrive le mot « fin ».